Afrique, subito presto. Alors j'ai fait, c'est une peinture concept. Donc j'ai conceptualisé une idée qui m'est arrivée il y a plus de 30 ans en Afrique noire. Ouais. Bon, jeune étudiant en beaux-arts, je suis allé en stop en Afrique noire. Ouais. Et pendant cette traversée du désert, j'ai découvert ce que je pourrais appeler une sorte de camp de concentration de la mort avec de la famine. J'ai croisé ça, je ne pensais pas le voir, j'avais été habitué à le voir à la télé, mais le vivre, ça a été un choc. Et je me suis dit, en revenant, je vais conceptualiser une œuvre que je reproduirai régulièrement en souvenir de ça, parce que de cette histoire-là, personne n'oublie. Ouais. Et au lieu de le faire qu'une fois, je me suis tenu de le faire tout le long de ma vie, ne pas oublier. Alors, tout au long de votre vie, sortez-moi de l'ignorance, ça veut dire que vous en faites un, c'est combien la fréquence, vous en faites un? Ça dépend. Régulièrement, vous repeignez. Il est apparu en 89 à Berlin, j'étais ouais. à Berlin en 89, quand ouais. j'ai conceptualisé cette œuvre. Ouais. Et depuis 89, ça peut arriver où je peux en faire 5, 6, 10 ou 30, 40 dans l'année, comme je peux en faire que 1 ou 2. J'ai compris. C'est très vu. Maintenant, ça fait 25 ans, plus de 25 ans. Donc le sentiment de mort a donné naissance à plusieurs œuvres. Puis un mémoire, parce que ce que j'ai vu aussi, c'était des tribus qui mouraient avec leur culture. J'ai pas vu que des hommes mourir, j'ai vu aussi des cultures mourir, qui sont des cultures souvent orales. Et quand vous voyez toute une communauté, que ce soit du plus âgé au plus jeune, qui meurt comme ça en vagues, on perd beaucoup dans notre universalité. Merci infiniment. Voilà. Bon succès. Ouais, celui-là, il est dur. Hein. Alors là, il y a la mariée prisonnière. Oula, oh là là. Vous êtes sûr que c'est pas un pléonasme? Ce serait excellent. Oui, peut-être. Hein, Bon, je vais essayer de rester positif. Alors, la même prisonnière, c'est... Je suis parti de Marcel Duchamp avec sa mariée mise à nu. Et où nous arrivons à un siècle de cette œuvre, plus ou moins. Ça fait un siècle qu'elle a été créée. Ouais. Et je voulais savoir où en était ce constat de cette libération sur l'art qu'a lancé Marcel Duchamp il y a un siècle. Ouais. Où on en était un siècle après. Ouais. Et la mariée représente, je pense, l'art, elle symbolise l'art. Oui. Et je trouve que l'art est géré, est sclérosé dans un système qui n'est pas le sien. L'art a son propre système à travers les temps, autre que celui qui est actuellement montré. Bien, bah écoutez, et il y a un double langage, bien oui. sûr, plus domestique. Oui. Et de le rappeler. Oui. Et voilà, où est la place de la femme aujourd'hui dans le mariage et Écoutez, moi je vois des barreaux de prison, le troisième arrêt. Et puis un triant. Allez, on garde un peu l'humour. Merci infiniment et bon succès. Au revoir. Merci.